y a tellement d'histoires dans ce quartier, au niveau des artistes qui ont vécu ici, que ce soit des musiciens ou des peintres. Il y a quelques clubs, mais on adore aller dans les bars vers Robert Camp, vers Pigalle. Pigalle, j'adore aussi. Et là, il faut qu'on trouve la rue Dauphine. Et on est dans la rue Mazarine. Je m'appelle Adrien Durand-Beissas. Je suis un jeune artiste peintre et dessinateur, et aussi designer graphique. Et je m'inspire aussi beaucoup du coup de rêves et donc de la peinture surréaliste. Beaucoup de musique. Des années 80, les synthés analogiques avec plein de knobs comme ça partout. Et... Et j'adore sortir dans Paris, c'est un truc que je ne veux plus faire. J'adore sortir, rencontrer des gens, c'est une ville qui est tellement vivante. Et, c'est vraiment que de l'amour et du kiff et de la passion.城市 香港改变得很快，中国的传统的一些普及艺术啊，比如说就是那种版画、木刻版画。比如说我在画我的涂鸦之前，我会先画一个中国风的墙壁，然后在那个中国的墙壁上面再画涂鸦。这样对我来讲就好像跑回古代的中国里面做一些外国的创作。创作很容易，记忆很难啊。 Yeah, I spend most of my time devoting my thought, my energy, everything to the studio and the work that I'm doing. If I'm not here, I'm at home probably working. The only time I escape is when I get to the gym, but otherwise it's work. I've been here for... Careful. In what context? There's a lot of new media popping up at the moment, I see. And I've worked a little bit within it. I like the idea of combining the two. As a young person, you should actively participate in the world, experience some dangers, so that I have a more expanded life view. 我用了差不多10年的时间在法国与中国间游走，在不同的地方进行创作。Donc la vie pour moi c'est simple, fais ce que tu veux faire et fais-le bien. 这就是我每个当下。 C'est un endroit qui est un peu un laboratoire. C'est le moment de partager avec quelque chose d'assez intime qui est la toile. C'est-à-dire qu'on est tout seul face à soi-même, on est tout seul face à la surface blanche. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, tout à l'heure, on va certainement aller voir les peintures dans la rue. Il y a la partie un peu plus intime et la partie visible et publique. Se divertir, c'est la vie. L'alcool, c'est aussi un peu la vie. Santé. On sent qu'il est, il est sérieux. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, mais il est très bon par ailleurs. Donc, c'est justement quelque chose qui, je pense, peut agréablement surprendre aussi nos amis qui se trouvent dans le bar.
恭喜发财，恭喜发财，大家新年快乐，新年快乐，Bonne année à tous。